Bonjour à tous, bienvenue dans la boîte à son saison 2. Vous aurez la chance de découvrir des groupes 100% belges ici dans l'émission et les lauréats pourront se produire le vendredi 20 mai 2016 ici à la boîte à Zik. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un groupe guest qui va vous proposer un rock stylisé et brut à la fois, en version française évidemment, c'est le groupe Fantôme. Je vous propose de les accueillir tout de suite dans l'émission. Les cheveux dans la face, contre le mur, les mains pressées pour que rien ne s'efface. Un souvenir de ton parfum et c'est l'incandescence. Mais cette nuit, il n'y a plus rien, plus qu'une odeur d'essence. Tiens-moi, si le vent m'emporte, ne me laisse pas filer. Tiens-moi, je ferai en sorte de ne pas t'oublier. Tiens-moi, si le vent m'emporte, ne me laisse pas filer. Tiens-moi, je ferai en sorte de ne pas t'oublier. Silencieux revolver. On est de retour dans la boîte à son avec Fantôme. Fantôme, bienvenue dans la boîte à son. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'interpréter avec nous ici sur scène le morceau Retiens-moi. C'est un peu une exclusivité, un petit morceau bonus pour l'émission. Voilà, c'est un morceau qu'on joue en concert, à tous nos concerts. Puis on s'est dit que c'était cool de le faire ici. On est ravis en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. Alors ce que je vais vous proposer, plutôt que de faire une petite interview classique, on vous a concocté ici, dans ce super chaudron super magique, beau, quelques petits mots. Et donc je vous propose à chacun d'en tirer un et de nous dire un petit peu voilà, ce que ça évoque pour vous. Voilà. Votre premier mot en sortant de scène. Mais c'est très amusant parce qu'on est, des gens très vifs. On s'aime énormément et on s'aime peut-être un petit peu trop fort et du coup on est très vifs les uns avec les autres, mais quand je dis on, c'est le groupe, puis notre équipe, notre manager, notre ingé son, notre ingénieur, enfin les gens qui bossent avec nous, et donc souvent on crie un petit peu pour plein de trucs.
attention. Dixit Dominus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette formule magique ? Alors, moi je suis un énorme fan de musique du XVIIe siècle et Dixit Dominus c'était au départ pour moi une référence à Handel, ce magnifique compositeur d'origine allemande qui s'est installé en Angleterre, ce n'est pas très intéressant. Mais bref, voilà, ça, c'est le nom de notre première EP Sous Fantôme qui est sorti en 2013. Et cette EP, vous avez sorti, ça vous a permis vraiment de pouvoir vous extérioriser, faire des scènes, ça vous a apporté quoi la sortie de cette EP ? Bah oui, déjà d'avoir un support et quelque chose à montrer, enfin une espèce de carte de visite. Et bah oui, déjà fixer des morceaux et on a beaucoup retravaillé les structures, on a appris pas mal de trucs d'ailleurs sur ça, comment avoir des structures de morceaux qui marchent bien, ce genre de petites choses. C'est un peu le premier, je veux dire, projet physique professionnel que vous sortiez en tant que groupe ou il y avait déjà eu des choses En tant que fantôme, oui, oui. Mm-hmm. Après, on a tous des tas d'histoires derrière, mais sous le nom Fantôme, oui. C'est le premier qu'on a pu découvrir. Oui. Alors à toi. Allez. De sortir ce mot magique. Votre pause douceur du matin. Quand vous partez en concert, je veux dire, vous démarrez la journée, etc. Il y a un rituel, il y a quelque chose d'un peu spécial Non, on se retrouve tous au local. Mm-hmm. Pour charger, on se marre un bon coup, on déjeune et on y va quoi. Voilà. Et il n'y a jamais d'appréhension quand vous dites je vais monter sur scène, il va se passer quelque chose. Si, si. Il y a toujours ce trac encore qui est là ? Non, pas de trac, mais ça dépend un petit peu. Moi je trouve qu'il faut avoir un tout petit peu de trac parce que sinon on ne pas. Ouais, mais quand on entend appréhension, ça dépend aussi de là où on va jouer, dans quelles conditions. Et voilà, il y a toujours des fois où on se dit que ça va peut-être être un peu plus compliqué que d'autres. Mmh. Là, bon. C'est un peu de place to be, la scène pour vous ? Ou c'est qu'est-ce qu'elle est vraiment votre moment privilégié ? C'est le moment de la création, c'est le moment qu'on monte sur scène, c'est un peu des deux. C'est quoi le mode de fonctionnement ? Je crois qu'on n'est pas tous d'accord. Moi je dirais plus sur scène. Hein. C'est sur scène qu'il y a quelque chose qui se passe. Bah oui, c'est sur scène qu'il y a une espèce de truc. Enfin oui, qu'il y a un truc magique. Après pendant la phase création, répétition, bah voilà, on travaille, on est un peu plus technique et plus c'est moins sexy quoi. Et justement, je me posais la question, vous avez quand même pris le pari, si je peux dire, d'écrire en français. D'ailleurs, je pense à ce fameux concours, le F dans le texte, hein. Je rebondis sur tous les mots qu'il y a dans mon chaudron magique. C'était vraiment un parti pris de votre part ou c'est un amour de la langue française D'abord, c'est un amour de la langue française et aussi de me dire que j'écrirais pas mieux en anglais et que j'aurais pas un bon accent anglais. J'entends tellement de groupes qui parlent mal anglais. C'est-à-dire. Et donc, aussi, voilà, cette envie d'être vrai et de me dire c'est ma langue que j'aime et je vais faire ça dans ma langue et voilà, je vais pas contourner la chose. Et t'as des références pour des artistes qui t'inspirent dans leur écriture ou, parce que j'imagine que c'est toi qui a vraiment, au niveau de l'écriture, écrit. C'est vraiment toi qui es l'artisan, si je peux dire. Moi j'adore Christophe, Charles Aznavour, Barbara, voilà, Alain Souchon. Voilà, Alain Bachung, ouais. Francis Cabrel, plein de gens. Et donc vous, ça vous a réuni aussi, le fait d'écrire en français pour ce mot ? Ouais, enfin moi c'était pas du tout le genre de truc que je voulais faire à la base. Et c'était pas du tout un truc, enfin je ne croyais pas à du rock en français à part, enfin... Quand j'entends rock français, j'entends que des groupes que j'aime pas, presque pas. Donc voilà, mais finalement j'ai appris à apprécier et c'est bien comme ça. Maintenant je changerai plus pour qu'on fasse du fantôme en anglais. Bah disons qu'on on a pas ce mot vraiment pour le rock en français, on a ce mot pour la chanson française en général. Mm-hmm. Et du coup on s'est dit tiens c'est intéressant, il y a peut-être un moyen de mélanger les choses intelligemment et c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc c'est vraiment ça un peu le rock et le français, ces deux influences qui rentrent un peu dans votre... Mais ce qui est amusant c'est que c'est une espèce de rencontre parce que l'écriture du texte et la composition, c'est vraiment deux trucs très séparés chez nous. On compose tous ensemble, et donc on a nos influences musicales pour la composition, et puis on met les deux ensemble, et ça match, c'est assez génial, mais
Oui, enfin, c'est juste deux trucs assez séparés, du coup. Voilà. C'est vrai que mélange, c'est un bon mot. Mélange, c'est bien. Ouais. C'est, ça fait 2016, tu vois, campagne présidentielle. Mais tout à fait. Je propose que tu prennes le dernier mot qui, ouais, j'espère, n'est pas un des nombreux mots qu'on a cités. On changera, oui. On inventera s'il faut. Bon, alors, le mot magique, l'Empire des Lumières. Ah, l'Empire des Lumières, ça me fait plaisir, parce que comme je le disais tout à l'heure à Félix, c'est le morceau que moi j'adore. Donc, en fait, j'ai découvert Fantôme via le festival dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on me dit, il faut vraiment que tu vois ce groupe, il est excellent, etc. Et je suis allée écouter. Et j'ai écouté cette musique. Et franchement, moi j'en suis tombée amoureuse, sans exagérer non plus la chose. Mais franchement, c'est un super beau morceau. Comment vous l'avez sorti? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce morceau, L'Empire des Lumières? C'est le premier d'une lignée de nouveaux morceaux. D'accord. Mais Oui, c'est vrai que c'est un virage dans notre style. Donc, des nouvelles influences aussi. On pense quand même au groupe comme Interpol, par exemple. Bah, il y a plein d'autres, mais qui, voilà, on a un peu pris les ambiances et les reverbs. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que nous réserve Fantôme maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, 2015, 2016, qu'est-ce qui se passe pour le groupe? Ben, on continue à faire des concerts un maximum, qu'on peut retrouver sur nos pages, sur les internets, voilà. Bon, en tout cas, Fantôme, on vous remercie d'être passé aujourd'hui par la boîte à son. On espère en tout cas vous revoir bientôt sur scène ou ailleurs. Quant à nous, on se retrouve d'ici un mois sur la boîte à son saison 2 sur la page Facebook sur ultrason.be, le 105.8 FM partout à Nivelles. A très bientôt, ciao ciao! On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai tes gants de crin, j'ai zèle. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. Saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparais, seulement t'accaparais. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends les trains à travers la plaine. La nuit je mens, effrontément. J'ai dans les boîtes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mal. La nuit je mens, je prends les trains à travers la
plaine. La nuit, je m'en lave les mains. Puis dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton niveau? Où subsiste tonight?